voulons te bénir. Je veux bénir le Seigneur pour tous les adorateurs. Pour tous les adorateurs et toutes les adoratrices du monde entier. Soyez tous salués. Que la main du Seigneur se répande sur vous. Que sa faveur vous accompagne. Que la main du Seigneur se répande sur vous et que sa faveur vous accompagne. J'espère qu'il y a des grands amens là-bas qui sont dits en même temps. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Oh. Amen. Seigneur, merci pour nos vies. C'est toi qui es l'auteur et l'écrivain de nos vies. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Parce que nous savons que tu es fidèle en tout ce que tu fais. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la puissance. À toi la richesse, à toi la majesté, le pouvoir. Gloire et louange à toi. Je veux t'élever. 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 Te lever. Je veux t'élever. T'élever. Je veux t'élever. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie et la lumière, mais le monde ne l'a point reçue. Mais ceux qui l'ont reçue sont devenus enfants de Dieu. Je lèverai ma voix au milieu de l'assemblée, car tu m'as sauvé. Je dirai combien tu es bon, combien tu es fort, combien tu mérites des acclamations. Aucun autre Dieu n'est comme toi dans les cieux, sur la terre. Oh, ça, je le sais. Est-ce que quelqu'un peut élever Dieu? Ben, moi, je suis en train d'élever Dieu. Je suis en train de l'élever à ma manière. Toi qui as fondé le monde, toi qui sais tout. Toi qui sais tout. Toi qui sais tout, qu'est-ce qui est caché devant toi? Toute la nuit tu as veillé sur nous. Oh Seigneur. Tu es le Dieu de nos pères, tu es le toute la nuit. Tu as veillé sur nous. Ah Seigneur, nous voulons bénir ton nom aujourd'hui. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour tout. Jésus, nous voulons élever ton nom et t'exalter. Kori papa papa. Est-ce qu'un adorateur peut bénir le nom du Seigneur? Je veux te dire merci pour ce que tu es pour moi. Je veux te dire merci pour ce que tu es pour mon frère, pour ce que tu es pour ma sœur. Je veux te dire merci parce que ma vie est entre tes mains et cette vie, tu la tiens vraiment.
voyez dans le psaume 24 ou 25, le verset 1, le psalmiste dit: Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. C'est important et c'est fort. Nous sommes à la veille de Noël et nous allons commémorer la naissance de Jésus. Notre Seigneur, quand il venait, il savait pourquoi est-ce qu'il venait sur la terre. Il n'est pas venu accompagner quelqu'un. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et chacun d'entre nous, nous sommes là pour accomplir la volonté de notre Père. Mais pour que cette volonté puisse s'accomplir, il faille que le règne de notre Père s'établisse dans notre vie. Quand le règne de Dieu s'établit dans notre vie, nous lui abandonnons toute notre vie. C'est lui qui en est le maître et c'est lui qui conduit notre vie selon ce que lui, Dieu, a prévu. Le psalmiste va dire au Seigneur: enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. C'est vrai que ce matin, d'autres s'en vont au travail, d'autres vont marcher, d'autres vont pour des projets, d'autres vont pour des contrats d'affaires, d'autres aussi vont pour juste rencontrer un ami, une amie, d'autres aussi vont pour un projet, pour des voyages. Mais il dit: enseigne-moi tes voies. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes tes voies. Que tu nous orientes là où tu voudrais que nous allions. Que tu nous orientes concernant les marchés, les contrats que nous voulons signer. Que tu nous éclaires, ô Seigneur. Parce que nous nous levons et nous faisons beaucoup de programmes. Sans t'impliquer. Mais aujourd'hui, nous voulons t'impliquer. Nous voulons t'orienter. Nous voulons que tu nous orientes. Il dit: dirige-moi par ta vérité, ô Dieu. Parce que souvent nous nous trouvons dans des situations où nous sommes obligés de mentir. Bon, obligé, c'est trop dit, c'est-à-dire nous sommes poussés par le mensonge. Et nous disons: ah, mais si je n'ai pas dit ce qu'il a dit ou bien ce qu'elle a dit, peut-être je vais perdre mon travail, peut-être je vais perdre ce contrat-là, je suis obligé de mentir. Mais le psalmiste va nous dire: dirige-moi par ta vérité. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Oui, celui qui nous sauve, c'est lui qui doit nous gouverner. Oh oui. Disons: Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi, ô Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Oh, je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi, ô Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accueille mes
accueille mes malchances. Et ce désir immense de vivre en transparence désormais près de toi. Oh, je m'abandonne à toi. Abandonner au Seigneur, je m'en remets à toi. Oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accepte France. Oh Jésus, Jésus, accueille mes malchances. Oh Jésus, Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence désormais près de toi. M'abandonne à toi, oh Jésus, je m'en remets à toi, oh Jésus, je ne désire rien que d'être auprès de toi. Oh, nous voulons tout abandonner entre les mains de Jésus. Nous voulons que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Nous voulons qu'il soit le Maître. Nous voulons qu'il soit celui qui guide nos vies. Nous voulons que Jésus soit au contrôle et aux commandes de nos vies. Nous voulons dire à Jésus que tes œuvres sont magnifiques. Que tes œuvres sont magnifiques. Tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons vécu, souffrance, humiliation,
rejet, abandon. Seigneur, nous voulons tout offrir. Nous voulons tout offrir en ce jour. Nous voulons tout offrir en ce jour parce que toi, tu sais tout. Tu sais ce que nous ne savons pas. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Ô Seigneur, nous voulons tout offrir. Vraiment, ce cantique-là, j'ai voulu que vous puissiez l'écouter parce que il est fort et il rejoint moi-même ma vie. Et souvent, il y a des situations qui nous empêchent d'avancer. Le psalmiste dit, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Toutes mes souffrances, entre tes mains, je les remets. Tout ce qui m'a blessé, entre tes mains, je les remets. Tu as vu mes peines, tu as vu mes souffrances, rien ne t'est caché. Adonai, on m'a bafoué, on m'a rejeté. Oh, tu as tout vu. Adonai, les gens me montrent du doigt. Oh Seigneur, toi qui connais mes moi. J'ai mis ma confiance en l'homme et j'ai été déçu. J'ai mis ma confiance en l'homme et j'ai été brisé. Ah, libère-moi, oh, de ce qui m'empêche de me lever vers toi. Je veux tellement obéir à ta voix, tellement obéir à ta volonté, oh Seigneur. Toutes mes souffrances, toutes mes souffrances, toutes mes souffrances, je les remets entre tes mains. Toutes mes souffrances, tes mains, je les remets. Seigneur, toi qui nous connais, touche nos cœurs et guéris. Entre tes mains, Seigneur, je les remets. Soulage-moi. Soulage-moi. Toutes mes souffrances, entre tes mains. Entre tes mains, je les remets. Entre tes mains, Seigneur, je les remets. Libère-moi. Que ta main s'étende sur nous. Libère-moi. Que chacun élève la voix.
Disons au Seigneur combien de fois nous sommes bénis d'être avec lui. Combien de fois cette présence en ce moment, ce temps, nous fait du bien. Merci pour ta présence. Oh Seigneur, merci pour ta libère-moi. Ce que tu permets. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Oui Seigneur, nous élevons la voix en ce milieu du jour parce que nous n'avons que toi seul. C'est toi qui es l'auteur et l'écrivain. Tu es le commencement de nos vies et tu seras à la fin de nos vies. Tu connais tous les adorateurs autant qu'ils sont. Tu sais, Seigneur, ce que chacun vit, ce que chacun ressent. Nous sommes en train d'avancer. Mais nous ne pouvons plus avancer aveuglément. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Avec toi, nous voulons avancer. Toi qui es l'auteur et l'écrivain de nos vies, oh Seigneur. Nous voulons que ta voix résonne au fond de nous, Papa. Nous voulons que ta voix résonne au fond de nous. Nous voulons un nouveau départ avec toi. Nous voulons que tu sois celui qui conduise nos vies. Que chacun élève la voix pour bénir le Seigneur, lui demander de conduire sa vie. Oui, Seigneur. Oui, tu entreras et tu agiras. Tu entreras et tu nous relèveras. Tu entreras et tu nous fortifieras. Tu entreras et tu nous feras du bien. Tu entreras et tu nous conduiras par ta vérité. Tu entreras et tu nous fortifieras. Oui, Seigneur, nous avons quelque chose à te dire. Auteur et écrivain du temps, tu entreras dans notre vie. Oh Seigneur, que chacun élève la voix, élevez la voix. C'est un moment de grâce que Dieu nous donne. Hein. Un moment de grâce que Dieu nous donne. Merci de nous remplir. Merci d'être présent cette journée dans notre vie. Merci de nous aimer. Merci de nous conduire. Père, libère-moi. Oh. Père, libère-moi. Libère mon cœur de tout ce qui m'empêche de recevoir l'Emmanuel. Libère mon cœur de tout ce qui est colère. Libère mon cœur de tout ce qui m'empêche d'être vrai. Libère mon cœur parce que tu connais mon cœur. Alors Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner entre tes mains parce que c'est toi qui es l'auteur de ma vie. Alléluia. Oui, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 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 Tu es bon.